Télérama, le confort pour tous. Et si vous goûtiez bon, alors ce petit kit radio finalement fonctionne. En fait, il fallait juste rajouter un petit condo ici qui est prévu dans le kit, mais qui est mentionné comme étant un. Putain, j'ai baissé le son. Comme étant un secours quand le son n'est pas bon. Et en fait, il est carrément nécessaire pour ce petit kit. C'est ça qui allait pas dessus. Badaboum, je fais tomber mes affaires, évidemment. Alors, ce petit kit, il a plein d'avantages. C'est que le carnet, il est super propre, il est super clair, tout est schématisé. Il y a des poules de test à différentes étapes du montage. Il y a même des photos sur comment scotcher proprement le au double face le haut-parleur. Il y a le circuit, bien entendu, qui est décrit avec tous ses composants, etc. Mais il y a surtout tout un vrai petit cours. Bon, je passe très très rapidement. Hein. Un vrai petit cours sur les différentes possibilités du LM386. Sur le circuit fréquence avec la modulation, le filtre, l'oscillation externe, l'audio amplificateur, le mute. Une explication sur la gestion des fréquences. Et surtout, en introduction, on a l'explication complète d'une radio. Donc du radiofréquence amplifieur, du mixeur, du détecteur, de l'audio amplifieur, du retour AFC vers l'oscillateur et vers le mixeur. Donc ça fait une bonne petite radio là pour faire le con, pour s'amuser un petit peu. C'est pas difficile du tout à souder, il y a largement la place. Ils auraient pu faire ça tout petit sur ça de large, sur un carré grand comme ça, sans aucun problème. Mais ça aurait été beaucoup plus compliqué à souder, forcément. Et ce petit kit L&Co, là, franchement, il est bien sympathique. On trouve ça sur eBay, sur Banggood, n'importe où. Un bon petit kit pour faire le con. Ça se monte Bon, moi j'ai mis une heure parce que je suis habitué. On va dire que quelqu'un qui n'est pas habitué, en 1h30, 1h45, il a fini, quoi. Voilà. Ciao.